On recommence. Bonjour Danaël, vous êtes sur Isaac depuis longtemps? Non. Non, non, on vient d'y passer, mais c'est le tryhard avec ce perso de mort et cet objectif de mort. Donc, you know. Tainted Lazarus, tu veux vraiment me voir mourir? Bah super. Tainted Lazarus, Boss Rush Hush, c'est parti. Oh là là, ce machin là. J'en veux pas. Par contre, on a un bon débit avec lui qui compense un peu ses dégâts plus bas. C'est déjà ça. De toute façon, il faut qu'on fasse en boucle tant que la première Angel Room soit pas sacrée d'art, c'est tout. C'est pourtant très simple. Un jour, ça fera ça. Hein. Il a trop de vie, lui. Et allez. Bon, déjà la Bible qui tombe tout de suite pour le rosaire, c'est pas mal. Ça m'évite de le trouver en Angel Room. Toujours de belles salles. Toujours le mauvais chemin. Toujours de la bonne humeur et de la positivité. Oh là là. Capricorne. Il faudrait que ce soit l'autre qui le récupère peut-être. Le bébé furoncle sous-côté, hein, il est bien. Enfin, moi, je l'aime bien. Surtout en début de game, parce qu'il faut avouer qu'après, on s'en fout un peu, mais... En début... Sac à dos...
Allez, la bidoche. Mauvais temps permet pas d'avoir Twitch et Call of Duty en même temps. Ah bon? Il pleut à verse et t'as plus de connexion? Ouverse. Ça vous fait rire. Ah, une carte empereur. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bâton sucré. Delirium avec Tenti de Lazarus. La fin a duré 3 heures. 3 heures. Soleil inversé, as de trèfle, roue de la fortune, jugement, machine à réapprovisionnement. J'ai plus de sous, merde, je voulais acheter une bombe. Machine à réapprovisionnement, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs les jurés. Attention les caca rouges, Luigi, enfin! Attention les carapaces, Luigi! Bon Dieu! Luigi rouge, ouais.
J'ai encore jeté ma carte empereur, je sais pas pourquoi. Plutôt que de la récupérer avec l'autre. Et lui, il lui faut des dégâts. Hein. Calmez-vous les crottes. Je vois bien ça, Jonion. Hein. Bien sûr, je le vois fort. Mais... Palomé. Oh, j'aurais dû, je pourrais les récupérer avec le bouquin au pire. On touche pas au cœur pourri, c'est pourri. Pendu! %90 Oh sa mère, la pipe. Category is... Chiant! J'ai pas de bombe. Ah, je peux bon... Ah si, attends. Je vais pas réussir à viser. Voilà.
Voilà. La nuit des mille emmerdements. Bah, du coup, j'ai pas pu utiliser ma carte parce que j'avais pas de bombe pour switcher, pour truquer, pour avoir un objet. Tu vois, t'as capté. Il y a un rocher marqué, mais j'ai pas de bombe. Ah, j'ai une bombe. Aucun regret. Ça y est, c'est le quart d'heure où je prends tous les dégâts, je prends la max. C'était quoi en dessous? C'était les poches profondes. Ça va pas me sauver la vie, les poches profondes là. Cours! C'est l'autre qui a besoin de dégâts, non? Après, l'épée, c'est pas forcément extraordinaire pour ce que je veux faire. Je sais pas. Non, mais je la prends, je sais pas. Peut-être que je vais regretter. Coucou Arbousier. Fléau de cécité. Quel plaisir.
Et Molacria avec l'épée. Oh, c'est un peu dommage ça. Ça aurait été mieux avec l'autre. Non? Après, ça lui rajoute des dégâts. Tu vas tout droit? Vraiment une idée à la con. Category is idée à la con. Oh. Vous l'avez vu, hein, le petit... Ouais. Arrête de prendre des dégâts. Scandaleux. Le vol qui reste pas entre les vagues. Attention à lui, il va me refaire le coup de l'autre jour. De maïs. Ah.
Connard! Le boss rush est fait. Ah. Bon, pas sûr qu'on aille à Hush en 5 minutes, mais le boss rush est fait. C'est pas par là. Bonjour Blorpy. Putain, mais je fonce comme si j'avais l'épée. Débile.
On ne prend pas de dégâts. Faut que je switch. Au moins, on y met les pieds. Pokémon Go, boîte de maman. C'est pas Pokémon Go qui va me sauver là, je sais pas. C'est de la vie qu'il me faut. Je pensais que ça allait me mettre des objets en plus, ça ne le fait pas. Il y a Monique égale Power en dessous. Y a pas de vie, y a rien. Qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à me décider, y'a rien qui me transcende là. Ça va disparaître là. Ah non, ça reste. Putain, je comprends jamais ce perso. Parce que c'est un truc sur pied des... Enfin, c'est un activable peut-être. Ah, c'est ça, garder l'inversion pour le boss, c'est ça. Sauf que je peux pas. Enfin, si, je peux, mais...
On réfléchit plus. Ça me saoule. Alors faire hush avec l'épée, je sais pas. Hein. Faire ça, mais bon. Donc je switch si j'ai plus de cœur. Enfin, si j'ai pris deux coups, je vais switcher, mais... On va essayer quand même. Ça me fait bouger. Je suis foutu dans la merde. Bah yes. Oh putain. Fais chier. Ah. Oh putain. Oh. Bon. Eh bien, va pour un boss rush. On a donc un petit peu plus de... un petit peu plus de marge. Allez, un petit D6. Ça peut être bien. Objectif Hush, objectif Hush. Nous devons aller au cœur de Mom en moins de 30 secondes. 30 minutes. Trop tard. Des bisous fans de jeu. À bientôt.
J'ai pas eu de clé encore pour Chant of Senar. Et j'ai demandé une clé pour un jeu d'horreur aussi. Un maxi dildo XXL, s'il vous plaît. Ce qui ravira fan de jeu, hein. Si on a un jeu d'horreur à faire, là, elle sera ravie. Un slip. Des pièces. Eh. On va peut-être aller au shop. Un bon jeu d'horreur, là. Bah, j'ai demandé une clé. J'ai oublié comment ça s'appelait. Mais on verra. C'est ça, des pièces pour le Birthright. Je serais pas contre, là. La cure, je sais pas, parce que quand on rentre, on est pas avec le moche là, mais tu sais, si, quand on se transforme, il a plus que des cœurs bleus. Donc je vais perdre un demi-cœur bleu, déjà qu'il a pas de vie, ce machin. Coucou Lighter Fan! Merci pour le raid. Coucou le raid. Malheureusement, je n'ai pas ce qu'il me faut. Mort option, ouais. Ça part sur mort option et on va prendre cette pilule qui coûte pas cher parce qu'elle est bien. Somnolence. I can see forever. Ça joue pilule aujourd'hui, hein. Somnolence, Sésame ouvre-toi, chance augmentée. Ça joue méchamment pilule aujourd'hui. I can see forever. Forever. L'arme aléatoire qui vont bien me foutre dans la merde, je pense. Toujours à cause de ça que je prends des dégâts parce qu'elles explosent à corps à corps. Là, on a potentiellement de la batterie. On a le boss, mais on n'a pas le shop. Il nous faut le shop. Calmos. Un petit cœur noir pour protéger mes Devil Deal. Apparemment non. Ah!
on va attendre de pouvoir inverser. Ah, le DD, il est parti. Ah, 36%. Il y a la clé de maman aussi qui est pas mal, hein. Sinon, je reroll. Ouais, beau reroll. Il y a vaguement des batteries, oui. Mais je sais pas si ça vaut le coup de reroll en shop. C'est bien ça, deux babioles, mais j'en ai zéro pour le moment. Mais bon, on perd trop de temps avec ces histoires. Experimental pill. Crotte alors. Bon, le familier, on s'en fout. Tu mets pause quand tu veux réfléchir. Moi, je sais pas faire ça. Allez là! Faut que je le prenne avec l'autre. Je vais garder mon dé. Je sais pas réfléchir. Non, je sais pas. J'ai un blocage. Du jus de fruits. Le retour de la saucisse, ouais. Qui fait bien plaisir. Une bonne saucisse. Une bonne saucisse chaude, là, quand il fait 35 degrés dehors. Petit barbecue, en fait. Ça me dégoûte. J'ai oublié ce que je devais faire. Récupérer le coupon. Il n'y a que du bon dans la saucisse bien chaude et juteuse. Ah oui, parce que moi, je suis team, on ne pique pas la saucisse. Je ne pique pas la saucisse. Comme ça, le gras reste bien dedans et donne plus de saveur. Moi, je mets les dents. Je la croque. Je vais être la seule à boire son thé chaud sous 36. Oh bon dieu, calmos, calmos, calmos. On n'est pas obligé de piquer la saucisse. Ah non, non, non. Range up. Elle t'asperge dès que tu commences à la couper. Non, mais faut savoir... savait pas faire, c'est tout. Ma mère m'a toujours dit que la saucisse explosait si on n'explosait pas, si on la piquait pas. Elle m'aurait menti. Alors, elle va pas exploser. Mais tout dépend comment tu la cuis. Je comprends le côté... Ça peut exploser, mais en fait, non, ça va pas exploser. Pot de vin, placebo. Oh, les boules.
Oh, j'achète les boules. J'achète les boulasses. Grâce aux boules, j'achète ça. Et ça. Et ça. Et ça. Ça me donne plein de stats. La pilule chance. Je vais la laisser. Et toi, tu dégages. Moi, je suis désolé, tu dégages. Ah, champion du monde! Oh, mais cassez-vous! Faites griller des poivrons sans les percer et c'est la troisième guerre mondiale dans la cuisine. Ça me fait flipper de ouf. What? Objectif Hush. Ça a pété de ouf. Rocher marqué. Oh yes. Bien vu. Oh là là. Œil de lynx. Oh là là. Je sais pas. Allez, avec lui quand même. Parce que l'autre, il a commencé à avoir des choses. Il y a la proptose en dessous. Qui veut de la proptose? Il faut que ce soit l'autre qui ait la proptose. Non, ça change à chaque salle. Merde, je me suis trompé. On est mort parce que je vais m'exploser la face. une larme explosive sur moi et voilà quoi. . 100%. Et lui, il est lent en plus. Je suis très énervé. On est déjà à 13 minutes. Et encore ce boss de mort, je l'ai tout le temps avec eux. La vitesse pas avec le bon, le Devil Deal qui s'ouvre pas alors qu'on était à 87%. Vous êtes prêts à vous faire exploser? On attend la surprise du shop.
Bello surpriso. Je fais ce que je veux, ok? C'est bon quoi. Au moins j'ai 9 vies. Il faudrait de la vie pour lui, hein, des points de vie, des cœurs de vie, alors, beaucoup de choses. Hein. On a lâché le jeu psychédélique, ouais, bah, on a fait le tour du test, quoi. On va pas tout faire. C'était difficile à comprendre, alors ça nous a suffi. On en a assez soupé. Ça faisait mal aux yeux. Ouais, c'était particulier. Mais il y avait de bonnes idées quand même. Vitesse diminuée? Oh, je suis pas sûr. Hein. C'est l'autre qui a besoin de PV là. C'est l'autre qui a besoin de luck là. Oh. Les soldes de Steam là. Le build est bon, voilà, mais y a pas de vie. C'est un problème. Merde, je suis trop con. Tu changes de perso aléatoirement. À chaque salle. C'est un personnage qui change de... à chaque fois. Enfin, il y a deux formes, la forme vivante et la forme morte. Et à chaque salle, ça change, ou en utilisant l'objet inversion. C'est un enfer, parce qu'il faut faire deux builds. Je déteste. Et je me suis perdu. Je fais toute la map alors qu'on est censé se dépêcher, on est déjà à 19 minutes.
Rocher marqué. Je vais garder Awaz sans l'utiliser. Pour potentiellement skip un étage en bas là. Chez, dans le cœur. Dans l'utérus. C'est chiant. Bah, ça me dérange pas de que tu poses des questions, hein, Baleine. Pas du tout. Je préfère que vous me posiez des questions plutôt que... OMG, je comprends rien au jeu. Et merde. J'ai posé une bombe. Ah, il a perdu un dégât, lui. Toujours les bons objets. Money égale power. Ça me saoule. J'ai fait une run docteur, fœtus, cuillère tordue, scorpion, tech 0, tech x, tech 0. Putain, ça fait peur. Alors que Anonymous Gifter offre un sub à tampon usagé. Hein? Ça dégoûte. Ouais, j'aime bien, moi. En infusion, là. Petit infus. J'ai pas une infu? Putain, quel gros nul. Je vous en prie, prenez votre temps, on n'est pas du tout pressé. Alors que Anonymous Gifter offre un sub à Sifano. Le pape! Putain, eh. Bah voilà, bah j'ai récupéré. Sacré Anonymous. Il y avait des pics? J'ai pas vu. Ça se passe très bien. Hein. Les deux baleines. Je suis dans la merde. Ah.
Bon, il y a le birthright, mais on n'a pas de vie. C'est l'autre qui a besoin de picouze. Et bah voilà! Ah putain, ça a utilisé le chat, mais avec l'autre, alors que j'ai l'autre. Oh là là! Oh là là. Putain, il avait pas trois picouzes lui? Il en a que deux? J'ai cru qu'il en avait trois. Deux tueurs. Il faudrait surtout qu'on se dépêche parce qu'il reste 5 minutes, c'est déjà mort en fait. Je peux skip un étage, mais même comme ça, c'est très peu, là. Bombe les portes. Ah bah oui. Ça ira plus vite. What do you expect, en fait? Mais putain! X7
sa mère. Bon bah, au moins on peut y aller. Il y a la bougie noire. Oh là là. Plus un réceptacle de cœur. Oh, le crâne. Il faut que l'autre ait le crâne, celui qui crache des trucs horribles là. Là, il n'y a pas le choix. Il faut que ce soit ici. Bon, la manette, d'habitude, hein, dès que je fais un mouvement, ça se déconnecte. Quand même un peu de chance dans tout ça, mais on a des jolis items et on n'a pas de vie quoi, très peu de vie. Allons-y. Oh putain, je vois. Concentre-toi sur l'esquive. Concentre-toi sur l'esquive. Ça me régène ça. Non? Oui. Je suis petit vampire, je régène tous les 13 ennemis.
Ok. Nous n'avons plus à nous dépêcher avec ce personnage. Ah, oh, j'avais pas vu Mr. Queen qui avait pris un abonnement. Je t'ai pas remercié, merci beaucoup. Nous n'avons plus à se dépêcher, à nous dépêcher avec ce personnage. Boss Rush Hush, validé. On pourra optimiser nos transferts, là, nos... Ouh, ça, c'est déjà beaucoup. On peut essayer ici, mais franchement, on a fait le plus pénible pour moi. Oh là 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 là. Le Birthright, comme d'habitude, avec lui quand même, qui décuple. Oh là, j'ai le hockey. Qui décuple la puissance. Et on a eu de très beaux items. Ah mais voilà, là déjà, ne plus avoir à se dépêcher avec lui. Mais on peut avoir des HP up. Sur les boss. En plus, on a le D6. Il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Si on arrive jusqu'au boss, parce que je sais pas où ils sont. Le Awaz aussi nous a bien aidé, parce qu'on a, skippé un étage. Oh ! Où sont les boss ? Parce que j'aimerais bien garder des salles pour régénérer mon D6. Qu'est-ce qu'il y a derrière là ? Explosivo ? Explosivo avec lui ? Ça serait bien. Lui, il est protégé contre les explosions. Donc, faut inverser. Lui, il prend 120 volts. Attention, Birthright. Ouais, non, mais il prend pas de dégâts, l'autre. Quand il est comme ça. Enfin, je crois qu'on est bon là, non? C'est pas une connerie ce que j'ai fait. Maison Dieu. J'ai une carte de TP aussi avec lui pour potentiellement me barrer. Putain, mais je vois pas ce qui me taffe. Mais putain, je vois pas! Pourquoi je vois pas? Ouvre tes yeux, bon Dieu! Je... ne vois pas ce qui me touche. C'est scandaleux, mais...
Le pape. The Hierophant. Écoutez, je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi à pas prendre de dégâts sur lui. Mais on s'en fout. Hush, c'est fait. Ah. Hush is done. Les larmes silencieuses, je sais pas, non, mais même, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est un mystère qui aujourd'hui restera... non résolu. Du coup, faut refaire Hush pour atteindre Delirium. Dans un sens, oui. Dans l'autre, non. Il faudrait qu'on regarde les Saintes Écritures. Sauf que j'ai pas préparé la scène des Saintes Écritures. Donc je peux pas vous la montrer, parce que vu qu'on a changé de scène... En fait, ce que j'aimerais voir, c'est s'il me propose Tainted Lazarus sur autre chose. Voilà, un petit peu plus loin, il y a... The Lamb, Mega Satan, Tainted Lazarus, pour les Wooden Chests. Donc en fait, faudrait viser ça avec le Mega Satan, et espérer... Bah, you know, quoi. Espérer le bonheur. On espère un Void, c'est ça. On espère un Void dans le chat. Je me lève dans 5 heures, donc je go dodo. Putain, Avenji, c'est trop tard, là. Va te coucher, bon Dieu. Ok. On fait des bisous à YouTube. Boss Rush Hush, c'est fait. On les retrouve pour une nouvelle aventure une autre fois. Adieu.